Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un From Zero to Heroes, donc un tuto un petit peu, un tuto sur tout simplement, bah, comme vous le voyez en dessous, les soins, les anti-soins, la vitesse de déplacement, mais également aussi la vitesse d'attaque. Et on va pas. Alors, je vous invite bien sûr à regarder d'abord la vidéo sur l'armure, etc., sur le fonctionnement. D'ailleurs, j'avais édité dans les commentaires, l'armure n'est plus cumulable, donc je vous laisse aller voir un point, revoir cette vidéo là, parce que c'est, bah, elle est un petit peu dans la suite en fait, hein, tout simplement dans la suite. On va attaquer donc les heals et les anti-heals, donc les soins et les anti-soins. Commençons par les barres de PV, enfin les indicateurs visuels. Puisque les indicateurs visuels, alors celui que vous voyez, le premier que je vous ai affiché, c'est celui d'Anna. C'est parce que Anna, eh bien, quand elle met sa grenade, alors ça a changé. Pour casser la méta double support, les bonus de heal, il n'y en a quasiment plus. Les bonus de heal, vous n'avez quasiment plus de bonus. Donc ce bonus là qui est affiché, ça marche que pour Anna. C'est à dire que sa grenade de soins, avant ça augmentait tous les soins. Finalement, bah, c'est vrai qu'il y a eu la méta double support, etc. Et du coup, Blizzard a voulu calmer les méta double support. Donc il n'y a quasiment plus de bonus de heal. Donc à la place, Anna par exemple, elle a un bonus de heal pour elle-même. Donc il n'y a que elle qui voit le bonus de soins, c'est de la grenade. Hein, c'est le bonus de soins de grenade. Mais le bonus de heal, il est affiché comme ça. Il y a la valeur qui est avec un rond vert, il y a la valeur et qui ensuite, bah, le rond vert s'épuise avec la durée. Donc par exemple, Uther a ça au niveau 16, les soins amplifiés et donc l'affichage, vous le voyez sur le côté. A l'inverse, les anti-heal, vous les voyez en rouge, hein, vert généralement c'est le positif, le rouge le négatif, et les anti-heal, donc là la grenade d'Anna par exemple, moins 100 avec donc la croix qui indique le soin, hein, la croix rouge, enfin c'est la croix blanche en l'occurrence, et en rouge qui annonce, avec un moins 100 qui annonce l'anti-heal. Alors les valeurs sont très importantes et on va voir justement que le premier point, c'est que les valeurs vont de 0 à 100. Et ça c'est super important, les valeurs donc vont de 0 à 100. À moins 100 pardon, je voulais dire de 0 à moins 100. Enfin de 100 à moins 100. Est-ce que je sais pas si... Enfin non, de 0 à 100 pardon. De 0 à 100, mais en gros il y a du négatif et du positif. Vous pouvez aller en moins 100, donc 100% d'anti-heal. Ou alors vous pouvez monter à... Alors à l'heure actuelle les soins amplifiés, il n'y en a plus. Qui montent à des... Enfin de toute façon, je crois le plus gros bonus de heal que j'ai vu, alors peut-être que je dis une bêtise, mais pour moi c'est Uther avec les 42 heal, parce que même à Anna avant c'était 25 de bonus de heal et ça a changé bien sûr. Donc on passe de moins 100 à 100 théoriquement, mais en théorie le plus gros à l'heure actuelle c'est 40. La grande force de ça, c'est que c'est cumulable, c'est pas comme l'armure qui n'est plus cumulable, les bonus de heal sont cumulables. Donc bon, il n'y en a pas des masses, hein, mais si par exemple bah, y avait l'ancienne grenade d'Anna qui faisait 25 de heal à toute l'équipe, plus le 16 d'Uther, eh bien vous pouviez monter à 40 plus 25, donc 65 de bonus de soins. Ce qui était quand même pas dégueu, ce qui était quand même pas dégueu. Bon, maintenant c'est plus possible encore une fois, la grenade ne concerne que les soins d'Anna, mais par exemple, eh bien la grenade d'Anna va augmenter de 25 son propre heal, et ensuite, eh bien vous avez le Uther s'il met son soin amplifié sur la cible, qui a été touché par la grenade, et ben vous allez monter à 65% de heal supplémentaire pour Anna. Donc là c'est un peu différent parce que c'est une mécanique d'Anna, mais ça marche exactement pareil. C'est juste que le bonus de heal d'Anna, il ne concerne qu'elle-même et pas les autres. Donc voilà pour le... Donc c'est vraiment, faut l'idée que ce soit cumulable. Et ça peut également se soustraire. Alors ça c'est un truc, c'est une mécanique qu'on voit rarement. Mais par exemple sur un... Anna, eh bien il y a le... Enfin non, par exemple Anna face à Maltael, Maltael a un anti-heal, je crois que c'est un anti-heal de 75 il me semble, Maltael. Donc vous voyez la croix rouge avec le moins 75 qui indique le moins 75 de bonus de soins. Donc en gros c'est l'anti-heal, hein, ça veut dire que c'est simple, hein, la grenade d'Anna, moins 100% d'anti-heal, ça veut dire qu'il n'y a pas de soins qui vont passer. Une guérison ancestrale de Régard, elle ne soignera pas. Si c'est un moins 75 d'anti-heal pour Maltael, eh bien vous allez, par exemple la guérison ancestrale soignera que 25% des valeurs de base. Le truc c'est que vous pouvez la soustraire. Si par exemple Uther met le Z avec les soins amplifiés sur une grenade anti-heal d'Anna qui est à 100 d'anti-heal, donc normalement à moins 100, eh bien au final Uther va redescendre cette valeur à moins 60. Puisque vous allez faire la soustraction, 100 moins 40, et du coup vous avez 100, vous avez 60. Donc au final au lieu d'avoir un anti-heal à 100%, c'est un anti-heal à moins 60, ce qui est assez sympa. Alors il y a une petite exception, je dirais, enfin une petite exception oui et non, c'est Gul'dan. Gul'dan en prenant par exemple le Q-Spell au 7, pas le Q-Spell au 7 justement, en prenant la soif de pouvoir au 7, il réduit les soins des supports de 25. Et le truc, c'est que par exemple avec un Maltael
qui lui met les 75% d'anti-heal, et bien il peut monter à 100% d'anti-heal sur les soins alliés. Et ça, faut faire attention. Ça, c'est très dangereux, du coup. Puisque ça va se cumuler avec les anti-heal ennemis, en fait. Donc ça, faut faire vraiment gaffe à ça. Alors, il y a un petit bug derrière là-dessus, c'est que comme il est calculé comme un anti-heal, normalement, avec Gul'dan, le soif de pouvoir, ça vous augmente votre propre soin de drain. Avec le moins 75 d'anti-heal, eh bien, les deux vont se cumuler à 100 et du coup le drain soigne pas. Sur le papier c'est un bug. Sur le papier c'est un bug, je sais pas si ça a été corrigé. Mais attention à penser à ça, les soins alliés par contre eux, bah c'est pas un bug, hein. Ça sera moins 100 d'anti-heal. Ça va se cumuler avec l'anti-heal ennemi. Donc ça faut vraiment y penser. On va passer maintenant à la vitesse de déplacement. Un point que les joueurs oublient souvent. Alors je vous montre le visuel. C'est cette espèce de trait de vitesse derrière le héros, hein, cette espèce de traînée en fait de lumière un petit peu derrière la personne qui indique justement un déplacement rapide. Donc ça c'est quand il y a un bonus de vitesse de déplacement, parce que je le rappelle, la vitesse de déplacement d'un héros de base est de 100%. Donc 100% c'est la vitesse de déplacement de base, sachant qu'il y a eu un petit bonus, enfin là je vous laisse aller voir les vidéos d'analyse de patchnote, mais il y a eu récemment 10% de vitesse de déplacement qui ont été rajoutés. Ça ne change pas la vitesse de base, vous êtes à 100%. C'est juste que la valeur, pour monter à 100% de vitesse de déplacement, en fait, il y a une valeur qui est calculée et cette valeur a été augmentée de 10%. Mais si vous regardez vos propres stats en appuyant sur C sur votre personnage, vous verrez toujours vitesse de déplacement 100%. C'est juste que vous allez plus vite qu'avant. Mais la valeur reste 100% de vitesse de déplacement. Si vous êtes en monture, vous gagnez 30% de vitesse de déplacement. La monture se déplace à 130% de vitesse de déplacement. Ça, c'est super important. Donc, il y a des bonus, par exemple le bouclier de Zarya au niveau 4 qui va donner 50% de move speed. Alors que, par exemple, d'autres personnages vont s'augmenter de 10% de move speed. Donc ça, c'est important. Notamment certains personnages comme les globos, comme Falstad, par exemple, bah, il a 20% de move speed. Donc il n'a pas de monture, mais il a 20% de move speed. Donc ça, ça se calcule. Encore une fois, 130% de move speed, c'est quand vous êtes en monture. Donc c'est là où vous pouvez vous dire, ah, ce buff-là, il augmente de 20% de move speed. Ah, c'est pas mal, c'est quasiment la vitesse d'une monture, c'est plutôt cool. On a, à l'inverse, le ralentissement. Comme vous le voyez, le ralentissement visuellement est affiché par une espèce de cercle, double cercle violet autour des jambes de l'ennemi pour montrer qu'il est ralenti. Alors j'avoue que l'effet visuel est il est un petit peu léger, violet comme ça, c'est un trait assez fin, mais l'idée c'est de montrer voilà, qu'il est ralenti par cette spirale violette. Alors les stats sont importantes au niveau de la vitesse de déplacement, ce n'est pas cumulable. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre pourtant la vitesse de monture, etc. Ce n'est pas cumulable. Il faut bien comprendre que si vous avez par exemple Zarya qui met 50% de move speed sur quelqu'un et que par exemple qui donne de la move speed, Karazim comme je vous l'ai montré, qui est un personnage qui donne énormément de move speed par le Z, par le 16, par le dash au 13 avec la purif au 16 également, eh bien il peut donner énormément de vitesse de déplacement. Et par exemple, bah, Karazim, parlons-en, il a deux sorts pour augmenter la vitesse de déplacement en théorie, son Z et au 13 son A. Eh bien si avec Karazim vous faites un dash sur un allié et que vous le soignez, sur le papier vous devriez augmenter énormément la move speed. Alors je ne connais plus les stats, je crois que le A au 13 c'est 30% de move speed, j'en suis quasiment sûr, c'est la vitesse de monture. Mais le Z je sais plus combien c'est, je crois que c'est 20% ou 15% de move speed. C'est un truc entre 15 et 20 de move speed. Eh bien on pourrait se dire, ok, donc on va dire que c'est 20% de move speed. Eh bien comme ça fait des valeurs faciles. Du coup, eh bien on pourrait se dire, bah, il y a 30% de move speed grâce au 13 plus 20% de move speed grâce au Z. Du coup il va monter à 50% de move speed. C'est le shield de Zarya niveau 4. Bah non, ça ne marche pas, ce n'est pas cumulable. C'est la plus haute des valeurs qui va l'emporter. Donc en l'occurrence, Karazim, s'il donne 30% de move speed avec le A et 20% de move speed avec le Z, eh bien la seule qui sera retenue, c'est le 30% de move speed avec le A. Par contre, si par exemple le Z dure 4 secondes mais que le A dure 2 secondes, pendant 2 secondes, vous allez avoir 30% de move speed et les 2 secondes d'après, vous aurez la valeur qui est en dessous. C'est pas, faut pas se dire, ok, bah le A a bouffé l'autre. Non, la meilleure valeur est prise en compte jusqu'à ce qu'elle disparaisse et à ce moment-là, la seconde va être prise en compte. Donc ça, c'est important. Ce qui fait que la move speed ne se cumule pas. Autre point, donc comme je l'ai dit, bon, elle n'est pas cumulable et c'est pareil pour les ralentissements. Si vous mettez un ralentissement de 50% et qu'ensuite quelqu'un additionne ça avec un, par exemple Jaina, typiquement Jaina, elle a un gros slow, hein, je n'ai plus, bah, vous pouvez monter à 40% de slow avec le niveau 20 par exemple, et bien si jamais il y a un Arthas qui est à côté qui veut ralentir, bah, ça changera rien. Alors qu'Arthas peut monter par exemple à 50% de slow, et bien ce sera la valeur plus haute qui passe. Donc Arthas à 50% de slow, si le mec dash out, ce sera le slow de Jaina qui prendra la relève.
Donc ça c'est super important, il faut vraiment bien comprendre que la vitesse de déplacement ne se cumule pas, c'est la plus haute valeur qui l'emporte à chaque fois. Et son opposé, le ralentissement, hein, on a les deux valeurs du spectre, vitesse de déplacement, tout ce qui concerne la vitesse de déplacement, que ce soit bonus de vitesse de déplacement, malus de vitesse de déplacement, tout, rien ne se cumule, rien ne se cumule, c'est la plus haute valeur. Alors là par contre, on va en reparler, c'est la vitesse de déplacement par rapport au ralentissement, ça se soustrait. Donc ça, dans les bonus et dans les malus, on l'a dit, ça ne s'ajoute pas. Par contre, si par exemple vous mettez, Jaina elle met un slow à 30% sur un ennemi, 30% de slow, et que Karazim, avec son dash au 13, met 30% de vitesse de déplacement, eh bien ça va s'annuler, la personne n'aura plus de ralentissement en fait. Elle ne sera pas buff, enfin, en fait la valeur de 30% positive par rapport à la soustraction de 30 vont s'annuler, ça fera 0, donc le mec se déplace à 100% de move speed. C'est pour ça que on l'oublie trop souvent, je trouve, à mon goût, mais la vitesse de déplacement peut un petit peu purifier, entre guillemets, les ralentissements, tout simplement. Donc encore une fois, c'est les plus hautes valeurs qui vont être prises en compte. Si Karazim met un Z à 20% et un dash à 30%, et qu'on a Jaina qui a un slow de 30%, et Arthas par exemple qui a un slow de 30%, c'est le 30% de move speed bonus de Karazim qui va être pris en compte, et le 30%, le 30% malus de Arthas qui va être pris en compte. Et du coup, 30, moins 30, 0, pas de debuff. Mais à l'inverse, par exemple, si vous avez un personnage qui slow à 50% et Karazim met 30% de move speed, le slow finalement n'appliquera que 20% de vitesse de déplacement réduite, 20% de malus. Donc c'est assez. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. C'est pas si compliqué que ça. Peut-être que la manière dont je l'ai illustré. Mais c'est pas compliqué. C'est vraiment pas de. La vitesse, les bonus de vitesse de déplacement ne sont pas cumulables. Les malus ne sont pas cumulables. Et ensuite, vous avez juste à faire une soustraction entre les plus hautes valeurs de ralentissement par rapport à la plus haute valeur d'augmentation, en fait, d'accélération. Passons à la vitesse d'attaque, qui, malgré qu'il y ait le terme vitesse, ne se calcule pas du tout de la même manière. Donc là, prenons par exemple un Malfurion, qui a 1%, enfin, vous le voyez. Alors, les valeurs sont très importantes, ça c'est quand vous appuyez sur C sur un héros, et alors il y a une autre touche à faire, je crois, pour afficher, parce que des fois vous n'affichez pas, il faut juste appuyer sur C et clic gauche sur un allié, et là vous verrez, ou sur vous-même, et vous verrez les valeurs. Donc la première valeur, c'est les dégâts d'auto-attaque, 131,6, la valeur d'en dessous, c'est 1.11, c'est la vitesse d'attaque. Alors ensuite vous voyez l'armure physique, l'armure magique tout à droite avec les boucliers, vitesse de déplacement, etc. La vitesse d'attaque va être augmentée par... Alors le 5.5 c'est la portée d'ailleurs, hein, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, donc vous le voyez, là il y a un bonus. Alors je ne sais plus quel bonus c'est. Si c'est abatture ou Malfurion, mais en l'occurrence, enfin, ou Auriel, mais en tout cas vous voyez que la vitesse de déplacement est passée à 1.39. Par contre, vous ne pouvez pas... vous n'avez pas d'informations visuelles, il n'y a pas d'affichage réel qui indique la vitesse d'attaque. C'est que en ayant votre curseur sur l'ennemi et en voyant les statistiques que vous allez voir le montant d'attaque speed. Par contre, donc la vitesse d'attaque, contrairement à la vitesse de déplacement, je rappelle, la vitesse de déplacement ne se cumule pas, la vitesse d'attaque, elle se cumule. Là par exemple j'ai mis, je mettrai dans les commentaires le carbot sur Zul'jin, bien sûr, mais par exemple Zul'jin, moins il a de PV plus il attaque vite, et eh bien s'il a par exemple le bonus de Raynor au niveau 13 qui augmente la vitesse d'attaque, plus imaginons une Auriel qui à partir du 16 avec son talent, avec la couronne, augmente encore la move speed de 20%, plus un abattur qui avec son niveau 4 augmente l'attaque speed, donc la vitesse d'attaque, et eh bien tout ça va se cumuler. Bon, à un moment donné... alors il n'y a pas de cap, il n'y a pas de plafond sur la vitesse d'attaque, mais il y a un moment donné où vous attaquez tellement vite que pour la rentabiliser vous pouvez plus vous déplacer en fait, enfin presque il faut plus se déplacer. Donc c'est ce qui arrive avec Tikus par exemple, vous mettez des gains d'attaque speed sur Tikus, le mec à la fin il est en mode bon bah je bouge pas, et... donc c'est... Alors ce qui est un peu triste, c'est que juste il n'y a pas de réel affichage, donc c'est de la connaissance de jeu, c'est à vous de savoir. Faut regarder les talents par exemple, est-ce que Auriel a pris un talent d'attaque speed, est-ce que Abattur a pris un talent d'attaque speed. Si vous voyez le symbiote, ça veut dire oh il a de l'attaque speed améliorée, de la couronne pareil. Et comme je le disais, du coup, c'est cumulable. Donc voilà pour ce petit point. Ça fait longtemps que je devais la faire. Je devais faire ce tuto sur les soins, les anti-soins, les vatleurs de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque. Donc maintenant, avec la vidéo sur l'armure, on va dire que les bases sont vraiment là. Et c'est plutôt. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous plaira. La prochaine vidéo, on va dire tuto un petit peu de base aussi, comme ça, ce sera sur les contrôles, les différents types de contrôles. Alors là, ce sera un peu plus avancé parce que même moi, pendant un moment, je disais de la merde en
en cast, parce que il y a des petites confusions par exemple entre les taunts, les fears, etc. Est-ce qu'il y a l'effet de contrôle C? Donc la prochaine ce sera sur les contrôles. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner vos impressions, à liker, hein, n'hésitez pas à mettre le petit like, c'est super important pour la visibilité de la chaîne. Commenter bien entendu, c'est pareil. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi activer la cloche. Je le fais, j'en parle jamais, mais vous pouvez faire la cloche pour pouvoir avoir les notifications des nouvelles vidéos, bien sûr. Merci à vous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Hey Maljanir, il a parlé de YouTube, mais n'hésite pas aussi à regarder dans la petite description. Il y a le lien pour Rogat, mais il y a également Facebook, Twitter. N'hésite pas à suivre sur les réseaux sociaux. Et comme il l'a dit, il faut t'abonner à YouTube, hein. Hein, fais pas le salaud. N'oublie pas la cloche. C'est quoi la cloche? Quoi?